à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 34e numéro de votre magazine Côté Pêche. Alors, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année à la Grande Halle d'Auvergne pour le Carrefour National Pêche et Loisirs de Clermont-Ferrand. Je suis en compagnie de Noémie, qui est Noémie chargée de mission. Chargée de mission. Noémie, raconte-nous un petit peu ce salon. Combien y a-t-il d'exposants cette année? Alors, on a 140 exposants. Sur le week-end, on reçoit à peu près 22 000 visiteurs sur 2 jours et demi. 22 000 visiteurs. Et donc, c'est 140 exposants répartis sur plus de 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés de surface. Alors, je suppose qu'il y a des espaces dédiés au bateau, à la mouche, un petit peu. C'est... Alors, effectivement, la mouche, c'est plutôt autour du bassin de lancer. D'accord. Mouche. Il y a un grand bassin de lancer, oui, d'ailleurs. Pour pouvoir tester les produits, c'est l'idéal. Après, on a plutôt de la pêche de la carpe qui est dédiée plutôt derrière vous avec un showroom qui a été mis en place. D'accord. C'est une année, un petit peu, la carpe c'est est à l'honneur. C'est une thématique carpe, tout à fait. D'accord. Après, en ce qui concerne le bateau et puis les autres types de pêche, par contre, c'est plus réparti sur l'ensemble du salon et du hall. D'accord, merci Noémie pour ces renseignements. Merci. Alors, vous comprendrez bien que, vu la taille du salon, on ne pourra pas passer chez tout le monde, on ne pourra pas faire tous les stands, mais je vous propose quand même d'en parcourir le plus grand nombre à la découverte des nouveautés 2015. Alors, pour commencer cette émission, je vous propose donc de parcourir les nombreuses allées de ce salon. Nous irons à la rencontre des responsables des plus grandes marques halieutiques, Daiwa, Shimano Rapala, Ilex, Ultimate Fishing, Smith, RT-Rise et bien d'autres. Que ce soit en canne, en moulinet, en leurre, du bord ou encore en bateau, vous serez sans doute comme moi surpris des nombreuses innovations 2015. Nous poursuivrons ensemble ce numéro spécial toujours dans ce salon de Clermont-Ferrand pour notre rubrique Embarqué. Nous irons à la rencontre des frères Goletto, une fratrie de passionnés très connus du monde de la pêche. Ils nous proposent une technique de pêche là aussi des plus surprenantes, la pêche des céphalopodes à la mouche. C'est avec étonnement et grand intérêt que je me joindrai à eux pour la réalisation de quelques mouches de mer susceptibles d'attirer calamars et autres sèches. Nous en profiterons pour voir ensemble les bases de lancer de cette technique de pêche plutôt inattendue. Nous terminerons ensuite le tour de ce salon par une visite des stands dédiés à l'électronique embarquée, Navicom, Lorentz, Garmin et Raymarine. Présents à la Grande Halle d'Auvergne, nous présenterons les derniers boîtiers, sondeurs et nouvelles technologies de détection 3D. Là encore, vous verrez que les distributeurs nous réservent de très belles surprises, avec notamment des nouvelles gammes de produits à des tarifs accessibles à tous.